Souviens-toi de François Premier, que je vais rencontrer, je pense, prochainement. Ce pape, qui n'est pas une meilleure que les autres, avec son pape Brassel, mais qui a une façon de parler enfin aux gens. Tout le monde peut le comprendre. Avant, ça n'a pas fait les cinq dictionnaires, je comprends. Lui, tout le monde peut le comprendre. Il a 67 ans. Et il va même rentrer dans l'église. Prions pour votre évêque, Pascal, évêque de Saint-Denis. Prions pour tous les évêques du monde, tous les prêtres, tous ceux qui sont ici. Prions pour les séminaristes, pour qu'ils puissent répondre à l'appel du Seigneur. Prions pour les diacres. Prions pour tous les gens qui s'occupent du pastoral laïque, nombreux. Et prions peut-être pour que François permette que des hommes mariés soient prêtres, puisqu'il n'y a plus de vocation en France. Prions pour les protestants, les orthodoxes, les anglicans. Nous avons le même livre. Puissions-nous vivre la même Église. Et osons prier pour les musulmans qui, dans 2000 mosquées en France, prient Dieu, ou qui prient un Dieu d'amour. Prions pour les frères et sœurs juifs, pour qu'ils prient aussi dans leur synagogue un Dieu d'amour. Et prions maintenant pour nos morts, tous ceux qui sont partis, pour donner du courage et de l'espérance, prononcez plus fort le prénom d'un être que vous avez aimé et qui est parti vers le Seigneur. Dites-le plus fort si vous le désirez. J'ai moi-même pour un jeune Steph, que j'appelle de mes jours et qui est à l'agonie, un jeune que j'ai rencontré il y a 25 ans, qui meurt d'un cancer poumon. Et je ne comprends plus ce qu'il dit quand je l'appelle, mais je l'appelle sans que je suis là avec lui. Donner du temps et de l'amour. C'est le sens de
donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Donnez-vous la main qui va les aider. Donnez-vous la main qui va les aider.